Bonjour mes amis intuitifs. Eh bien, aujourd'hui, pour ce premier exercice de divination, je vous propose quelque chose d'un peu différent des autres fois, puisque là, je vais découvrir en même temps que vous les cartes que j'ai choisies il y a déjà presque 2 mois. Et je vais dire tout ce qui, évidemment, tout ce qui m'arrive intuitivement par rapport à la carte qui apparaît. Et dans ce que je vais dire, il y aura des moments, il y aura des choses positives et d'autres pas négatives, parce que je n'aime pas ce mot, mais des choses qui seront simplement peut-être à travailler au cours de l'année. Donc, vous sentirez en écoutant la vidéo ce qui fait écho en vous, ou pas, tout simplement. Donc, vous écoutez, vous vous laissez, voilà, simplement porter par ce qui vient. Et puis après, bien sûr, vous prendrez en conséquence, ou pas, ce qui entrera en résonance pour vous. Alors, la première carte, oh là là, la première carte numéro 1, rendez-vous compte, c'est la carte de la chance pure. Alors, la chance pure, en carte numéro 1, c'est aussi, enfin, il y a deux choses, c'est la numéro 1 et c'est la chance pure. Donc, c'est le moment de commencer de nouveaux projets, de se lancer dans des projets qui peut-être, ou des choses, vous avez idée de faire certaines choses et puis vous avez remis, ou vous avez pensé que bah, ça n'était pas le moment, eh bien c'est le moment. Alors là c'est vraiment saisir l'opportunité. C'est la chance pure, c'est vraiment les opportunités qui arrivent dans votre vie et qu'il faut vraiment, voilà, faut oser et y aller. Hein. Ça, cette carte-là, c'est vraiment à double titre. Et par le numéro 1 et par la carte, la chance pure, c'est vraiment une indication que c'est le moment bah, de croire en votre bonne étoile. Si vous avez vécu des moments difficiles, parce que bon, ces 2 dernières années ont été difficiles pour tout le monde au niveau mondial, et bien c'est le moment, ça y est, la roue tourne, la roue a tourné, vous pouvez vous lancer, vous pouvez faire de nouvelles choses, y aller, mettre en route des projets que vous avez peut-être laissés dans vos cartons depuis très très longtemps, et puis vous dire, bon bah ça y est, pour le coup, là j'ai traversé peut-être des moments difficiles, mais ça y est, maintenant la roue a tourné. Alors, en point un peu moins positif, on va dire, est-ce que vous avez vraiment comment dire, est-ce que vous n'auriez pas comme croyance l'idée que bah, vous n'avez pas de chance, que la chance ce n'est pas pour vous, que bon, la chance, oui, peut-être, bof, bof. Vous voyez, là, on dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Donc ça, il est un fait que si vous êtes convaincu que vous n'avez pas de chance, ne soyez pas étonné non plus qu'elle passe à côté de vous. Hein. Ça, c'est évidemment, c'est évident. Je sais bien que ça paraît, on se dit, ah non, mais j'ai pas de chance, mais si vous vous mentalisez pour ne pas avoir de chance, ou parce que les autres en ont, et puis malheureusement pas vous, eh bien, vous n'en aurez pas. Donc là, cette carte, en plus, en numéro 1, qui est la carte du début, on se lance dans des choses, on commence des choses, eh bien, c'est vraiment une carte de nouveau départ, alors que ce soit au plan professionnel, que ce soit au plan sentimental, affecté, enfin, amical. C'est vraiment là, si vous avez envie de lancer une nouvelle affaire, eh ben allez-y. C'est vraiment la chance. Vous savez, la chance, on se la fait aussi, hein, parce qu'on a tout un tas d'opportunités dans la vie, et puis on ne la saisit pas toujours. Et après, on se dit, oh là là, si seulement, ah oh, si seulement. Bien là, avec cette carte-là, pour toutes les personnes qui ont choisi le numéro 1, c'est le moment d'écouter votre intuition et de vous lancer. Si vous voulez écrire un livre, si vous voulez faire un nouveau cours, ou faire une formation, si vous voulez changer de métier, si vous voulez, enfin, tout ce que vous voulez faire, c'est le moment. En plus, vous aurez la chance de connaître des gens, d'avoir des opportunités de rencontres qui seront là sur votre chemin. Alors, faut-il encore, effectivement, être convaincu que vous avez de la chance et que la chance, elle va arriver et la saisir. Si vous avez une opportunité, puis que, bof, vous avez peur que ceci, que cela, oh, bof, bof, eh bien, si vous vous dites bof, bof, la chance, elle est déjà partie. C'est quelque chose de spontané, de, vous savez, écoutez votre intuition, tout simplement. Vous avez quelqu'un qui vous propose quelque chose, ou vous pensez, vous voyez dans un journal une annonce qui correspondrait bien à une nouvelle direction de vie que vous voulez avoir,
allez-y, foncez. Je dirais qu'avec cette carte-là, c'est allez-y, jetez-vous dans la, pas dans la mêlée, mais jetez-vous dans l'action. Le 1, c'est vraiment, allez, on y va, on débute, on a plein de choses. Alors, vous allez me dire peut-être, oui, mais alors, comment je vais savoir que c'est la bonne chose? Si vous attendez de savoir que c'est la bonne chose, eh bien, vous allez mourir sans savoir. Hein. Excusez-moi, c'est un peu violent ce que je vous dis, mais l'important, quand une opportunité surgit, eh bien voilà, c'est on y va. Alors peut-être vous êtes un peu frileux. Là, c'est avec cette carte-là, on vous demande précisément de ne pas être frileux et de vous lancer. Donc voilà, osez, lancez-vous et la chance est avec vous. Alors, nous abordons la carte numéro 2, ce magnifique chien. Alors, je crois que c'est un Saint-Bernard. Alors, qui dit chien, pour moi, dit fidélité, dit attachement inconditionnel, c'est l'amour inconditionnel. Les animaux, vraiment, nous aiment, qu'on soit beau, qu'on soit gros, qu'on soit maigrichon, mal peigné ou mal disposé, le chien, il nous aime inconditionnellement. Donc je dirais que pour les personnes qui ont choisi le numéro 2, c'est le temps aussi de l'amitié, c'est le temps de croire, d'avoir confiance en vous, de croire, de vous aimer inconditionnellement. Alors je dirais que peut-être en point à travailler cette année, pour les personnes qui ont choisi cette carte, c'est de faire un travail sur vous pour vous aimer inconditionnellement. Nous ne sommes pas faits de tout blanc ou de tout noir. Il y a entre le blanc et le noir, il y a tout un tas de choses. Et puis, il y a aussi les choses qu'on met sous le tapis, vous savez, les choses qu'on ne veut pas voir parce qu'on est tous un peu menteurs, un peu ci, un peu ça. Enfin, des qualités, enfin, des défauts, on qualifie de défauts, enfin, des choses, des travers. Hein, voilà, oh oui, mais je suis. Alors. On veut tellement peu les voir qu'on les met sous le tapis et on ne peut pas s'aimer inconditionnellement tant qu'on n'aime pas le côté pile et le côté face de notre personnalité. Donc avec ce chien qui correspond à l'amour inconditionnel, je dirais c'est vraiment un moment pour toutes les personnes qui ont choisi cette carte numéro 2 de s'aimer inconditionnellement, d'aller alors l'amour, de revoir par rapport à l'amitié, à l'amour, à la profession. Bien, devoir de retrouver, pas de la passion, mais de l'amour pour ce que vous faites. Alors, est-ce que vous êtes vraiment, vous aimez ce que vous faites? Voilà ce qui me vient spontanément. Est-ce que vous aimez ce que vous faites? C'est la fidélité aussi. Bon, le chien, il est fidèle, hein. Donc, c'est la fidélité à vos valeurs. Donc, vous êtes une personne bon, en positif, si vous n'avez pas à travailler, ça, vous êtes quelqu'un qui est très attaché à enfin, à ses valeurs, vous êtes quelqu'un de fidèle, quelqu'un de, quand vous aimez, alors là, ça, si vous êtes attaché, c'est à la vie, à la mort. Donc peut-être aussi, pour les personnes qui auraient à travailler des qualités par rapport à cette carte, ça serait, est-ce que vous êtes bien en accord avec vos valeurs? Est-ce que, voilà, vous ne vous êtes pas, je dirais, fourvoyé, mais est-ce que vous n'auriez pas, à un moment donné ou à un autre, pris un chemin vicinal, comme je dis, et vous n'obéissez plus à vos valeurs, c'est-à-dire les valeurs qui sont en vous, et ça peut dégénérer un mal-être, par exemple. Alors que le chien, là, vous voyez, en plus, c'est un Saint-Bernard, et le Saint-Bernard, il allait sauver les gens. Alors je ne sais pas si c'est toujours comme ça, mais on le représentait avec un petit baril, vous savez, de rhum ou d'alcool sous le cou, parce que ce sont des chiens vigoureux et très forts, et il partait en montagne sauver les gens. Donc il y a en vous un côté sauveteur. Donc si vous voulez vous diriger vers tous les métiers d'aide, allez-y, foncez aussi, parce que effectivement c'est tout à fait positif, hein, dans ce sens. Voilà, c'est favorable. Voilà, je dirais plutôt favorable. Donc là, est-ce que si vous avez à travailler aussi, ce qui me vient, c'est peut-être, est-ce que vous demandez de l'aide? Est-ce que vous êtes
si vous êtes fatigué, si vous êtes un peu perdu, si vous êtes sans savoir trop comment diriger vos pénates, si j'ose dire, est-ce que vous êtes capable de demander de l'aide? Alors c'est peut-être le moment de demander de l'aide, de mettre son ego de côté, sa fierté de côté, et demander de l'aide. Le chien, il est là, il vous aidera, donc il y a des personnes autour de vous qui sont tout à fait capables de vous aimer inconditionnellement et de vous aider. Et alors, la fidélité, être fidèle à soi-même, ça, c'est très, très important. Donc, peut-être revoir vos priorités, voir ce qui est vos besoins aussi, ce qui est important pour vous. Et si vous n'avez pas abdiqué précisément de ces valeurs qui sont importantes pour vous et de vos besoins. Alors, pour cette carte, c'est amour inconditionnel de vous-même, hein, ça c'est très important. L'amour inconditionnel, le dévouement, et puis l'aide, hein, l'aide que vous pouvez donner aux autres aussi, vous êtes quelqu'un de fidèle, et la fidélité, donc la fidélité à vos valeurs et puis à vous-même, ça c'est très important. Alors, la carte numéro 3. Alors, la carte numéro 3, moi, je la trouve très, très amusante parce que c'est une petite fille qui a dans ses bras 2, 4, 6 poupées, 6 poupées. Et pour moi, c'est la carte de la créativité. Je vois une petite fille, ça doit être une artiste. Elle a créé, pour moi, les bébés, ce sont des... ça représente des créativités. Alors ça peut être de la peinture, ça peut être des livres, ça peut être enfin tout ce qui est créatif. Peut-être se dirige-t-elle aussi vers la cuisine, vous savez, mais c'est quelque chose, elle a besoin, c'est quelqu'un qui a besoin de créer avec une imagination très féconde, avec des possibilités énormes de créativité. Et en côté un peu moins positif, ou ce qui serait à travailler, peut-être avez-vous, craignez-vous de ne pas avoir de créativité, de ne pas être capable de faire certaines choses qui vous plairaient, peut-être, ou simplement sans être créatif, faire des choses qui vous plaisent, jouer à un instrument de musique, peindre. Ah oui, mais non, peindre, je ne serais peut-être pas capable de peindre. Peut-être, je dirais aussi à travailler, ce qui me vient spontanément, c'est ne pas être trop parfait. Accepter que vous n'êtes pas parfaite et que ou parfait et que même si vous faites si vous créez quelque chose, si vous écrivez un livre ou si vous faites dans quel que soit le domaine de créativité ou d'inventivité, eh bien ça ne sera peut-être pas parfait, mais tant pis, le tout c'est de vous y faire. C'est quelqu'un aussi qui aime, alors il y a un côté maternel, hein, c'est cette petite fille, c'est un côté de partage, un côté d'amour aussi, d'amour mère, vous savez. Donc vous êtes probablement quelqu'un qui prenait en charge les autres, vous avez cette faculté d'aider, d'écouter, d'être oui à l'écoute des autres, ou le contraire, peut-être serait-il important d'être à l'écoute des autres et puis de les aider, mais de vous aider aussi. Ça, alors ça, là, c'est toujours, on ne peut pas aider les autres si on ne s'aide pas soi-même. Donc, cette faculté un peu maternelle, hein, je dirais, si vous êtes un homme, ça, on a un côté maternel aussi, c'est le côté maternel, et ben c'est de materner les gens, hein, de materner, de les aider, de les écouter, de prendre soin d'eux et d'être là pour eux. Voilà, vous êtes quelqu'un qui est présent, alors c'est pour l'année aussi, donc ça sera aussi pour cette année, on vous demande ça, mais vous aurez peut-être des gens, des amis ou des personnes qui viendront demander votre aide, et votre aide sera très profitable, hein, on va dire, très profitable pour les personnes qui viendront demander votre aide. Alors, en côté un peu moins positif, c'est précisément, eh bien, d'écouter si les gens autour de vous, de ne pas rester dans votre tour, toute seule, et de demander, d'écouter ce que les personnes ont à vous demander. S'ils viennent vers vous, c'est parce que vous les attirez, vous avez du magnétisme, vous avez du charisme. Donc, effectivement, au cours de cette année qui vient, là,
qui va se dérouler, vous aurez certainement des opportunités de créer des choses, d'aider les autres et de vous diversifier aussi. Hein. Vous voyez, ils sont 6, c'est-à-dire ne mettez pas tous les œufs dans le même seau, hein, on va dire, dans le même panier. Panier, c'est plus beau que seau. Et puis là, la petite fille, moi je la vois, elle est très calme, très détendue, très charismatique. Donc il y a des choses qui sont en train de bouger pour vous, hein, à l'échelon de cette année. Alors, bouger, pas dans le sens s'activer énormément, mais des choses qui vont venir à vous, des gens qui vont venir à vous, des opportunités aussi qui vont venir à vous dans le sens de, on va vous proposer des choses. On va vous proposer des choses, là encore, comme je disais pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 1, eh bien, ça sera important de les saisir. Alors, aussi, ce qui serait peut-être à travailler, c'est ne vous dispersez pas trop, voyez quelles sont vos priorités. Alors là, pour cette carte, c'est vraiment la disponibilité, l'écoute, et la bienveillance, je sens qu'elle est très très bienveillante. Donc, il y a beaucoup de bienveillance, beaucoup de... Cette carte est plutôt dirigée vers des qualités dont vous allez peut-être prendre connaissance cette année, dont vous doutiez peut-être un peu. Plus que des prévisions, on va dire, pour l'année qui vient de commencer. Alors, la carte numéro 4, alors là, c'est le soleil. Alors là, le soleil, c'est, on voit un jeune homme qui part, donc c'est, on va dire, c'est le soleil en être humain, hein, un être solaire, qui part sur l'aile de, alors là, je ne sais pas quel animal c'est un aigle. Oui, c'est un aigle. Donc, c'est une carte extrêmement positive. Là, on peut dire aussi que vous êtes dans les starting blocks, hein, on va dire, et puis vous vous dirigez vers quelque chose. L'aigle va vous porter vers des horizons, peut-être des aventures nouvelles, peut-être des voyages aussi, hein, qui vont surgir. Peut-être vous n'aviez pas envie de voyager, si, là, ça va venir, il y a des voyages qui s'annoncent, hein, ça c'est sûr. Et puis là, on vous voit sur le dos d'un aigle, et l'aigle est un animal qui est extrêmement puissant. C'est un animal qui a été dans les emblèmes de l'Empire austro-hongrois et de Napoléon. Bon, un aigle, quand on dit c'est un aigle, donc l'aigle, il vole très très haut, hein, jusqu'à 5000 mètres, là, l'aigle des Andes, ce qui est quand même absolument extraordinaire. Et à 5000 mètres, il peut voir une proie qui est donc 5000 mètres plus bas. Donc il a un œil aiguisé, donc je dirais que là, c'est le moment de déguiser votre œil, de bien vous fixer des buts et de vous y tenir, tout simplement, parce que là, on sent qu'il y a des choses qui vont vous porter. Alors ça peut être des personnes, ça peut être des dans votre travail, professionnellement, sentimentalement. Je sentirais plutôt que c'est vraiment lié à l'environnement et lié aussi au travail au professionnel. Mais ça peut être aussi un envol pour une nouvelle vie, avec quelqu'un, sentimentalement. Même si je sens que c'est plus vers le professionnel, le soleil, ça illumine. Il y a des coins des portions de votre vie qui vont être illuminées, qui vont être mises en exergue, hein, on va dire. Là, il y a des qualités, il y a des choses. Alors peut-être professionnellement, on vous proposera une nouvelle orientation de vie ou de nouveaux débouchés, mais votre personnalité va être mise en évidence, en plein soleil, vous voyez. Donc ce que je dirais pour ce qui est peut-être un peu moins, pas positif, mais à travailler, c'est n'ayez pas peur de vous mettre dans le soleil, n'ayez pas, ayez confiance en vous. Là, c'est vraiment la confiance, c'est être illuminé par ce soleil. Moi, ce que je sens, c'est que si vous n'avez pas confiance en vous, si vous avez peur de vous lancer sur les ailes de cet aigle, eh bien, malheureusement, le manque de confiance, vous savez, c'est toujours une des grandes causes des échecs, hein. Donc là, le soleil, ça illumine, c'est brillant. Sans le soleil, on n'existerait pas, la vie n'existerait pas sur Terre. Donc là, je sens qu'il y a des choses qui sont en train de bouger. Pour l'instant, l'aigle, il a tout, et le jeune homme, il est prêt à décoller. Donc je dirais que
Ça, c'est le moment, cette année va être ce que j'entends, c'est charnière. C'est une année charnière. C'est aussi le numéro 4, c'est aussi le cube, vous savez, c'est le concret. Donc, mettre en concret hein, les idées que vous avez, et une fois que vous les avez, hop, ça y est, on part. Donc, le bémol, effectivement, c'est ah mon Dieu, mais si, oh là là, j'ai peur de ne pas être capable, j'ai peur de ne pas que les gens vont me voir, le regard des autres, vous voyez, c'est tout ce qui peut être mis en brillance. Laissez-vous briller, laissez-vous être mis en évidence, parce que si vous avez confiance en vous, eh bien, vous vous laisserez mettre en évidence et en exergue. Donc là, allez-y, faites un travail, effectivement, de confiance, d'avoir confiance en vous et en vos possibilités. Si vous croyez que vous n'êtes pas capable, comment voulez-vous que les autres le pensent que vous l'êtes? Donc si vous n'avez pas jusqu'à maintenant eu la chance ou l'opportunité de réussir certains projets ou de réussir tout simplement vos objectifs, il faut peut-être s'en prendre à vous-même en vous disant, oui, mais si je n'ai pas confiance en moi, comment je peux, comment je peux imaginer que les autres vont l'avoir? Vous savez, c'est un jeu qui se joue à deux. Si vous n'avez pas confiance en vous, l'autre le sent. Donc automatiquement, eh bien, on ne vous donnera pas cette chance. Donc c'est l'année de la brillance, d'être mis en lumière, de mettre en lumière vos projets, de mettre en lumière vos amis, peut-être votre petite amie ou votre petit ami, hein, petite ou petit ami ou mari, de vous lancer dans des aventures lointaines aussi lointaines et de les saisir. Donc l'aigle, il vous guide, il vous donne aussi cet œil acéré, hein, je vais dire, mais dans le bon sens du terme, de bien profiter des projets qu'on vous propose ou que vous avez, et vous avez cette lucidité, hein, vous avez cette lucidité ou ce manque de lucidité par rapport à vous-même. Donc, allez-y, c'est le moment. Alors, la carte numéro 5, c'est le lutin farceur. Alors, j'aime beaucoup cette carte parce que, d'abord parce que j'adore les lutins, et puis parce que je trouve que cette carte, elle transmet de la joie, de la bonne humeur, et puis, bon, voilà, on a envie de s'amuser en voyant ce petit lutin. J'adore les lutins. Ça revient à l'enfance, ça revient à nos jeunes années. Et donc, cette année-là, c'est le moment de mettre de la joie dans votre vie, de mettre de la bonne humeur, de mettre comment dire, de vous amuser, de faire des choses qui vous plaisent, d'aller dans des chemins vers des choses que vous aimez. Et puis, alors, farceur, c'est ne pas vous prendre au sérieux, hein, ça c'est sûr, peut-être, voilà, mettre en le bémol, je dirais ne pas vous prendre au sérieux, mettre l'ego évidemment un peu de côté, et puis ne pas penser que les choses, les il faut et je dois, alors là, ça serait plutôt à mettre de côté, voyez-vous. Là, allez-y, amusez-vous, faites faites des choses que vous n'avez jamais faites jusqu'à maintenant et qui vous feraient plaisir. Écoutez vos besoins, écoutez l'enfant intérieur que vous avez en vous et qui a envie peut-être que vous l'avez brimé, peut-être que vous l'empêchez de s'amuser. Ah non, il faut pas ceci, ah, on doit cela. Alors là, c'est la carte anti-je dois et anti-il faut. Alors là, aussi, yaka et yaka pas. Vous voyez, c'est toutes ces contraintes, ces tiroirs dans lesquels vous vous êtes mis ou mise. C'est le moment d'en sortir et de vous amuser. Lui, il s'amuse. Le lutin, il est là. C'est vraiment un personnage qui permet de prendre la vie du bon côté, de prendre du recul par rapport aux choses, et puis de ne pas être dans les je dois, il faut, de s'amuser, de prendre la vie du bon côté. De prendre aussi ce que j'entends, c'est bon, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Dieu sait si depuis 2 ans, le monde entier vit des moments difficiles. Eh bien, c'est se dire, bon, bah, qu'est-ce qu'il y a eu de positif? C'est de tirer le positif des choses un peu difficiles, peut-être, que vous avez vécues, en se disant, bon, voilà, il y a eu ça,
mais j'ai réussi ceci, ceci, cela. Vous envoyez des bravos, vous lancez des fleurs le soir avant de dormir. Bien, dites avant, précisément avant vous savez, dans cette phase qu'il y a entre le sommeil. Enfin, l'avant-sommeil, on est un peu somnolent, ou même encore quand vous mettez tout simplement directement au lit, vous dites voilà, ben, bravo, j'ai fait ci, bravo, bravo. Moi, je dis bravo, Jung, tu as fait ci. Alors, pour de petites choses, bravo, Jung, tu as fait une machine à laver. Bravo, Jung, tu as téléphoné comment dire, à tel ou tel organisme. Bon, c'était un peu enquiquinant, mais tu l'as fait. Et vous félicitez, vous louez, hein, vous voyez, vous louez. Oh là là, alors ce n'est pas l'ego qui prend du poids, mais là, dans les personnes qui ont choisi cette carte numéro 5, c'est aussi la carte de vous dire, bon ben, oh, allez, maintenant, on s'amuse, et du repos, prendre du temps pour vous, écouter vos besoins. Voilà, c'est une carte de joyeuseté, on va dire, de bonne humeur et anti-faux et anti-je dois. Alors vous avez la carte numéro 6, c'est un tarot qui est très très beau et très original. Alors c'est la Lune. Alors la Lune, bon, pour les personnes qui ont choisi cette carte numéro 6, je dirais que c'est une carte où il faut... Oh, il faut. Ah ben non, mais vous vous rendez compte, alors là c'est vraiment le comble. Où il serait vraiment souhaitable, voilà, où il serait souhaitable, pas il faut, peut-être que ça va vous shooter ou pas, ce que je vais vous dire, c'est de prendre, vous voyez, le temps de... C'est la carte pour moi, la Lune. Ben, on est dans la Lune, on est au rêve, on est dans le romantisme, c'est la carte bon, ben, de la nuit, des rêves, donc d'écouter vos rêves. Alors les rêves, aussi bien au plan du sommeil que les rêves que vous avez, c'est peut-être le moment de ne plus être dans la Lune précisément et de mettre par écrit les rêves. Voilà, j'aimerais apprendre à jouer du violoncelle, par exemple, ou j'aimerais apprendre à peindre, ou j'aimerais faire un voyage, par exemple, au Mexique. Voilà, vous voyez, c'est mettre dans le concret, mettre alors, mettre dans la, dans, non pas dans la lumière, mais mettre dans le concret tous vos rêves, tout ce que vous souhaiteriez faire, tout ce que vous aimeriez faire, tout ce que vous vous êtes empêché de faire jusqu'à maintenant. La Lune, c'est, alors, pour les personnes qui auraient aussi à travailler ça, bon, c'est à la fois positif et un peu à travailler. C'est, je veux dire, alors les personnes pour cette année, c'est vraiment le moment de mettre donc concrètement, voilà, ce que vous souhaitez faire et de vous y mettre. Là, c'est fini de rester, voilà, vaguement, oui, j'aimerais ceci. C'est plus le futur proche, c'est on s'y met. C'est le futur actif. On est dans le présent, voilà, je fais ceci, je fais cela, et faire la technique des petits pas. Aujourd'hui, je fais ceci, aujourd'hui, je fais cela. Donc, c'est ne plus rester là-haut, vous savez, et retomber les pieds sur terre. Alors, peut-être aussi cultiver votre romantisme si, au plan sentimental. Bon, c'est la carte aussi comment dire, de ce qui est... Pas flou. Moi, je n'aime pas ce qu'on dit. On dit parfois, oh, la lune, c'est flou. Les chats, c'est vrai que la nuit, tous les chats sont gris. Mais c'est de précisément vous accorder du temps à la rêverie, au romantisme, voilà, prendre du temps pour vous aussi. Vous voyez, prendre, voilà, concrètement, qu'est-ce que j'aimerais faire jusqu'à la fin de l'année? Qu'est-ce que j'aimerais faire? Et puis mettre sur le papier. Donc, ce que, ben justement, ce qui serait, voilà, le premier truc vraiment que j'aimerais faire, ce serait ça, voilà. C'est-à-dire ramener de la lune, de ce qui est là-haut, hein, de ce qui est dans vos rêves, à l'état concret. C'est une carte de, comment dire, la lune, bon, il y a la pleine lune, il y a la nouvelle lune, il y a le quart de lune, bon. C'est changeant, elle est changeante la Lune, hein. Donc c'est aussi pour les personnes qui ont à travailler, c'est avoir un peu plus de rigueur, hein. La Lune, bon, ça n'est pas aussi défini, évidemment. On ne voit pas les choses aussi bien que quand c'est la journée. Bon, si tant est qu'on voit les choses réellement telles qu'elles sont. Mais c'est aussi là, vous prendre.
cette année pour vous dire, bon, allez, je mets un peu la pédale douce aussi, c'est pas la peine de m'activer. La lune, c'est l'intuition aussi, c'est développer votre intuition. Donc on sent que là, il y aura comment dire, des domaines pour lesquels vous êtes particulièrement, ou que vous vous êtes refusé, hein, par exemple, il y a beaucoup de personnes, ah non, moi, le tarot, alors non, pas question, ou moi, l'astrologie, ah non, pas question. Si vous aimez l'astrologie, c'est le moment de vous lancer aussi. Alors là, c'est vraiment le moment. Si vous voulez vous acheter une lunette, comment dire, pour observer les étoiles, c'est aussi le moment. Moi, je sens que c'est un. Voilà, c'est vous donner à la fois du temps pour penser, pour réfléchir à ce que vous souhaiteriez faire, et après, rapidement, le ramener au concret. Vous voyez, ne pas rester dans la stratosphère et avoir les pieds sur terre et vous dire, bon, voilà, c'est beau de rêver, mais il y a un moment donné aussi, faut commencer à faire, pas à s'agiter, mais à s'activer. Donc là, on vous demande dans cette année, probablement, c'est ça qu'on vous demande, de mettre dans le concret toutes vos idées, de saisir, ah bah oui, j'aimerais bien ça, j'aimerais, et vous écrivez, et puis après, c'est vraiment commencer à vous dire, ah ben oui, oh, ça, non, moi, ça, moi. Et puis, pour les personnes qui n'ont pas trop confiance en elles, ah oui, mais, vous savez, les lunaires, les personnes qui sont lunaires, ce sont souvent des gens qui s'évadent, hein, qui s'évadent. Donc, restez les pieds sur terre, peut-être, ou au contraire, évadez. Si vous avez trop les pieds sur terre, eh ben, évadez-vous, donnez-vous du temps pour rêver, pour faire, voilà, des choses qui sont un peu du domaine du léger, de la rêverie. Voilà. Alors, nous arrivons à la carte numéro 7. Alors là, c'est une carte qui est assez originale, hein, vous voyez, c'est une bouteille. Et puis à l'intérieur de cette bouteille, eh bien, il y a un navire. Et j'ai beaucoup aimé cette carte quand je l'ai tirée, parce que là, c'est on sent que pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 7, c'est le moment, là aussi, de sortir les idées que vous avez. De sortir les rêves que vous avez, d'arrêter de voguer sur et puis de vous enfermer dans des comment dire dans cette espèce de bouteille. Ce n'est pas c'est pas une espèce de bouteille, c'est une vraie bouteille. C'est donc de sortir de tout ce que de vos clichés, de sortir de votre boîte, tout simplement, de votre boîte. Là, bon, c'est une bouteille, mais sortir de votre boîte. Si vous avez envie de faire des croisières, eh bien, allez-y. Si vous avez envie d'apprendre à nager, allez-y. Si vous avez envie de faire le tour du monde à la voile, ben, allez-y aussi. C'est le moment de sortir de la bouteille, c'est le moment de mettre à profit vos rêves, hein, vos rêves nocturnes et puis les rêves diurnes, c'est-à-dire, voilà, j'ai envie de ça, allez, je m'y mets. Alors en bémol, c'est évidemment, c'est l'enfermement, on n'y croit pas, vous ne croyez pas que, voilà, alors donc vous ruminez. Je dirais aussi que j'entends en un peu moins positif, c'est arrêtez de ruminer et lancez-vous. Sortez de vos, comment dire, de vos croyances, sortez des idées que vous avez. Vous savez, ah oui, c'est comme ci, c'est comme ça. Moi, ce que je sens, c'est qu'il serait important, probablement, eh bien, de prendre du temps pour vous et puis prendre du temps et de vous lancer à l'aventure. Là, on sent que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'idées, qui aimerait faire des choses et puis qui n'ose pas les faire. Donc là, pour l'année 2023, moi, je sens que c'est le moment de faire sauter le bouchon, vous voyez, et de larguer les amarres. Alors, larguer les amarres, c'est-à-dire vous lancer, larguer les amarres professionnellement, sentimentalement, amicalement, enfin, dans tous les domaines, financièrement aussi. Vous voyez, là, c'est comme si vous vous empêchiez de réaliser des choses, donc de sortir de votre zone de confiance, de confiance, et puis de vous lancer dans l'aventure. Là, on voit que il y a de l'envie, on a envie de faire les choses, mais, et c'est toujours le mais qui fiche tout en l'air, hein, vous voyez, donc le mais qui vous empêche tout simplement eh bien, de réaliser vos rêves et vos objectifs parce que vous vous mettez trop d'entraves. Mais là, on sent qu'il y a
Vous avez envie là, vous avez envie, on sent que là c'est une. Alors, on pourrait penser, là je me reprends, on pourrait penser que cette carte a plus de négatif que de positif, mais non. Moi ce que je sens c'est qu'il y a beaucoup de possibilités et que c'est le moment bah, je vous dis là, de larguer les amarres et puis de sortir de vos zones de confort et d'oser, tout simplement d'oser partir, faire des choses, de nouvelles choses. Et puis de voilà, on voit que le bateau, il est solide. La mer est un peu agitée, mais c'est normal. On voit les voiles, il y a de bonnes voiles. Donc, vous avez toutes les capacités pour vous lancer et faire des choses pour lesquelles vous n'auriez peut-être jamais imaginé pouvoir les faire. Et là, ça y est, c'est le moment de vous lancer. Alors, écoutez vos rêves, là aussi. Quand je dis vos rêves, c'est les rêves, les idées que vous aviez quand vous étiez petit. Et puis bon, vous avez complètement laissé de côté. C'est le moment de partir et de larguer les amarres. Ça, et puis de sortir de votre bouteille. Là, c'est le moment de sortir de votre bouteille. Il y a la volonté de sortir et puis de dire, liberté, voilà, c'est vraiment une carte, on reprend sa liberté, on prend sa liberté, on reprend sa liberté, on fonce précisément dans les choses qui nous faisaient peur, et ben on y va, c'est le moment. Ben ça, on peut dire que là, c'est une carte de joie et de possibilité. Il y a juste à faire et casser la bouteille. Alors, 8, c'est alors là, c'est le bouffon. Alors, le bouffon, c'est, vous savez, le bouffon, au temps de nos rois, c'était la seule personne qui disait la vérité au roi. Donc le roi, bon, il fallait quand même pas trop pousser, hein, mais il se permettait, avec de l'humour, de dire des histoires. Il était très sarcastique généralement, et le roi trouvait ça drôle parce que c'était la seule personne, dans le fond, qui osait lui dire les vérités en face. Donc c'était dit d'une certaine façon, mais il disait les choses. Donc je dirais que pour cette carte, moi, ce qu'elle m'inspire, c'est que pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 8, c'est le moment de vous exprimer, de dire les choses, allez, il faut que ça sorte. Hein. Là, c'est un moment de comment dire, les non-dits, allez hop, on les dit, hein, parce que de toute façon c'est mauvais pour la santé. C'est le moment de vous exprimer, de croire en vous, de faire des choses peut-être. Si vous avez envie de faire du théâtre, eh ben c'est le moment. Si vous avez envie de prendre des cours de diction, eh ben c'est le moment aussi. Tout ce qui concerne la voix, tout ce qui concerne l'expression corporelle ou pas, expression corporelle ou pas, c'est le moment. Si vous voulez faire une école du cirque, c'est le moment aussi. C'est le moment de faire des choses qui sont un peu hors du commun, vous voyez. C'est le moment de prendre votre envol aussi, et puis de dire, d'exprimer aux personnes qui sont autour de vous, à tout niveau, professionnellement, sentimentalement, amicalement, enfin dans tous les domaines, de dire ce que vous ressentez. Je dirais que c'est vraiment la carte par excellence qui vous dit d'écouter vos besoins. C'est la carte qui vous dit, bon, bah, c'est le moment d'y aller, et puis de ne plus avoir peur, parce que évidemment le bémol, la peur de raconter, la peur de dire, la peur de s'exprimer, la peur de ce que vont dire les gens, et ben là, c'est le moment que tout parte et d'exprimer. Alors évidemment pas de façon violente. Hein. Là, comment dire, le bouffon, quand il parlait au roi, il prenait quand même un peu des pincettes. Hein. Il fallait quand même faire attention à ce qu'il disait. Donc avec beaucoup je sens que les personnes qui ont choisi cette carte peuvent parfois avoir l'idée de dire les choses brutalement, hein, où ça vient spontanément, ça vient brutalement. Donc là, faites très attention quand même à la façon de vous exprimer. Il y a une mesure entre les non-dits, enfin l'expression, dire ce qui nous vient sur le cœur, et puis la façon dont on le dit. Tout est dans la manière de le dire. Donc je dirais que pour les personnes qui ont choisi cette carte numéro 8, c'est vraiment s'exprimer et puis oser dire les choses, oser faire des choses, oser, comment dire, oser, oui, tout simplement oser. Et puis ne plus vous raconter d'histoires, ne plus vous raconter d'histoires sur ce qui se. Ne plus vous raconter d'histoires sur votre vie et dire les choses exactement. Voilà, c'est ça, ne pas vous illusionner, on va dire, ne pas vous illusionner sur.
sur votre vie. C'est le moment de voir les choses telles qu'elles sont et non pas telles que les autres le veulent ou telles que vous pensez que les autres le veulent. Voilà, c'est une carte d'expression. Ne plus avoir peur vraiment du regard des autres, de ce que pensent les autres. Laissez-vous vous exprimer ce qui vous vient dans le cœur et sur le cœur. Voilà, c'est important. Alors la carte numéro 9, c'est la carte du merci, de la gratitude. Alors là, je sens que pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 9, ça va être un moment de... le reste de l'année, vous allez avoir beaucoup de merci à dire. C'est-à-dire, il va y avoir plein de choses qui vont vous arriver. Et, oh, bah, bravo, merci, merci, merci. C'est aussi un exercice que je vous recommande, parce que moi, je le fais tous les soirs. Avant de m'endormir, je dis merci pour ci, merci d'avoir un toit, merci d'avoir de l'eau, parce que si vous avez un peu voyagé dans les pays... en voie de développement, particulièrement en Inde où je suis allée très souvent, bien je peux vous assurer que avoir de l'eau, avoir l'électricité, ce sont vraiment, et même sans ça, hein, même de, plus près de nous aussi, avoir de l'électricité, hein, on appuie sur un bouton, oh, on a l'électricité, et hein, hop, merci. Alors c'est vraiment, je sens que vous allez avoir la possibilité de remercier beaucoup de personnes, ça va être donc des choses qui vont vous arriver, inattendues ou pas, vous allez récolter aussi ce que vous avez semé, hein, donc vous allez avoir des retours, on va dire, des retours positifs, très très positif sur tout ce que vous avez semé dans les années précédentes, hein. Donc là c'est vraiment un exercice à faire, de dire merci. Tout n'est pas acquis, rien d'ailleurs n'est jamais acquis, et le fait de dire merci, d'être la gratitude, hein, tout simplement, on sait que les personnes qui s'adonnent entre guillemets s'adonnent à la gratitude ont, selon une étude américaine, vous savez, les Américains, ils aiment bien faire des études sur tout, eh bien, les personnes qui s'adonnent donc à la gratitude, journellement, ont une chance de survie de 8 ans par rapport aux autres. S'ils cherchent du travail, ils en trouveront plus facilement, et s'ils sont malades, ils vont récupérer plus facilement que les autres. Donc, vous voyez que le fait de dire merci, d'avoir de la gratitude, est quelque chose de très important. Alors, en bémol, c'est peut-être que vous pensez que tout est acquis, alors peut-être aussi de dire merci à vos conjoints, à vos enfants, tout ce qui dans la vie peut être positif, et ne pas penser que tout va vous tomber tout cuit, et que non, vous avez de la chance que il vous soit arrivé ça, que vous ayez trouvé du travail, ou que tout simplement, si vous n'avez rien d'extraordinaire, parce que la vie est faite de petites choses, eh bien tout simplement, vous direz merci parce que vous avez un toit sur la tête. Je peux vous assurer qu'aujourd'hui, avoir un toit sur la tête, c'est quand on pense à tout ce qui se passe dans le monde, sans parler de guerre, hein, mais tout ce qui se passe dans le monde, avoir un toit sur la tête, ben c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Donc je dirais que pour le reste des personnes qui ont choisi cette carte numéro 9, c'est de vous adonner, journellement à la gratitude, et puis vous allez voir qu'il y a tout un tas de petites choses qui vont vous arriver, ou de grandes choses, pas obligatoirement de petites choses, mais des choses qui vont vous arriver, des opportunités qui vont là, et vous allez remplir votre besace de bienveillance. Vous êtes quelqu'un de bienveillant, quelqu'un qui donne aussi facilement, hein, quelqu'un qui est généreux. Il y a beaucoup de générosité dans cette carte, donc vous allez pouvoir prodiguer votre générosité, votre bienveillance tout au cours de cette année. Et vous allez recevoir aussi beaucoup de générosité et de bienveillance, donc en disant merci toujours et en vous disant que, eh bien, même si les choses ne sont pas telles que vous souhaiteriez complètement qu'elles soient, eh bien, dites merci quand même. Vous savez, c'est important. Je dis souvent, il y a un mot qui est tombé en désuétude en France, en français, c'est merci. Les gens ne savent plus dire merci. C'est important de dire merci. Et là, vous voyez toutes ces... c'est plein, plein, plein de choses. Donc, il y a plein de choses qui vont vous arriver. On ne sait pas encore trop lesquelles. Mais vous allez avoir ce qu'on appelle les vœux merveilleux. C'est des,
des choses qui vont vous émerveiller aussi, des choses inattendues. Ayez aussi du plaisir à vous émerveiller devant la vie que vous avez, des petites choses. C'est, je crois, le Dalai Lama qui disait « Le bonheur n'est pas dans les grandes choses qu'on espère. » Il le disait beaucoup mieux que moi. Dans les choses qu'on espère, mais la sagesse, non, il disait la sagesse, c'est d'apprécier les choses que nous possédons plutôt que d'espérer de trouver le bonheur dans celles que nous allons avoir. Voilà, c'était plus ou moins ça. Je crois que j'ai bien exprimé sa pensée. Donc là, c'est ce que je sens, c'est vraiment vous dire que, oh, merci, merci, merci pour ça, tous les jours, faites ça, et là, on voit qu'il y a des choses qui sont en train d'arriver, dites donc, vous avez un potentiel de merci, de grand et de petit merci à faire pour cette année. C'est la carte numéro 10. Alors là, c'est Hans et Gretel, c'est donc le frère et la sœur. Donc, moi, ce que je sens, c'est que c'est le moment, si vous avez... vous êtes en couple, ben c'est le moment peut-être ou de vous paxer ou de où il y aura une sentimentalement et amicalement et affectivement parlant, il y a des choses qui vont changer cette année. Alors si vous pensez prendre un associé, ben c'est le moment. Peut-être vous allez penser vous associer, il y a des choses qui vont se faire avec quelqu'un. Vous voyez, c'est le moment de penser à faire des choses avec quelqu'un, de s'engager aussi à faire des choses avec quelqu'un. L'association avec une autre personne est importante. C'est le moment de créer des liens. C'est le moment aussi d'engager des liens, de faire des liens. C'est le moment de poursuivre des liens avec des gens ou d'engager des liens avec quelqu'un ou tout simplement de vous marier si vous voulez vous marier ou de faire une société ou de s'associer avec quelqu'un. C'est vraiment dans les relations. C'est les relations qui seront mises en évidence cette année, c'est-à-dire que vous allez il y a des opportunités de relations, mais peut-être des gens autour de vous auxquels vous ne pensiez pas et qui vont surgir, qui vont vous proposer des choses ou que vous, auxquels vous allez proposer des choses. En bémol, ça sera peut-être la peur de s'engager. Est-ce que vous avez peur, toujours les peurs, de faire certaines choses, de vous engager avec ou un associé ou avec des personnes, de vous engager sentimentalement ou professionnellement, de prendre un chemin avec quelqu'un, vous avez peur, hein, c'est toujours les peurs. Donc là, ce que je sens, c'est que ça n'est pas le moment d'avoir peur, c'est le moment de se lancer. Évidemment, en écoutant son intuition toujours, ne pas se lancer comme ça, bêtement. Mais si votre intuition vous dit que c'est bon, c'est le moment, bien sûr, de partir et d'y aller. Donc c'est les relations, c'est l'affectif, c'est le fait d'être avec d'autres. Vous avez tendance à être plutôt solitaire et rester dans votre coin, et ben c'est le moment de vous lancer à faire d'autres choses et avec d'autres gens. Voilà, c'est le moment de faire des choses avec d'autres gens, de lier des relations avec les gens que vous connaissez ou de vous lancer dans des associations à faire des choses que vous n'avez jamais faites, mais où il y aura des gens, pas tout seul. Ça, si vous avez peur de l'engagement, c'est le moment de vous lancer aussi. Alors là, c'est la carte numéro 11. Alors c'est la carte, une carte, il n'y a rien dessus. Donc je dirais, tout est ouvert. Pour cette année, là, vous avez vraiment, tout, vous avez carte blanche, là elle est verte, mais c'est de l'espoir, vous pouvez vous lancer dans tout ce que vous voulez. On pourrait dire vous pouvez écrire l'histoire de votre vie, vous voyez, c'est le moment de faire ce que vous avez envie de faire, d'écouter vos besoins, il y a pas de contre-indication, c'est le moment de il y a vraiment pas de contre-indication. Vous voyez, pour cette année, on sent que là il y a des choses qui se libèrent, il y a des choses qui sont ouvertes, il y a des choses qui n'avaient peut-être pas été
opportune jusqu'à ce moment. Et là, c'est le moment. C'est le tableau est vide. C'est le moment d'écrire votre vie, de vous lancer dans des choses si vous en avez envie, de faire au plan dans tous les domaines. Aucun domaine n'est privilégié, aucun domaine n'est en bémol. Sauf, alors là, si le bémol, sauf si, oh là, mon Dieu, j'ai peur. Toujours, si vous avez peur. Moi, je dirais que par rapport à cette carte-là, évidemment, là encore, si, comme tout est ouvert, hein, tout est vraiment, toutes les opportunités sont à saisir et tout est ouvert, c'est toujours les peurs qui peuvent vous saisir. Oh là là, mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais pas où je vais. Laissez-vous guider. Vraiment, là, c'est une carte de... Laissez-vous guider par votre intuition, laissez-vous aller, lâchez prise. Alors là, c'est vraiment la carte du lâcher prise. Il n'y a rien, mon Dieu, ça ne me dit rien. Non, allez-y, allez-y, c'est comme la traversée du miroir, vous voyez. Des choses qui jusqu'à maintenant vous paraissaient peut-être difficiles, voire impossibles, eh bien non, précisément là, c'est sauter le pas. Là, il y a vraiment des choses qui sont... je dirais que c'est une carte qui, le bémol, c'est « mais ayez confiance en vous, regardez, tout est à écrire, vous n'avez pas besoin d'avoir peur, regardez cette carte magnifique qui vous dit là vous pouvez faire tout ce que vous avez envie de faire parce que c'est le moment ». Donc c'est le seul bémol, c'est vraiment encore là, ben, la confiance, vous avez, ne vous mettez pas de limites. Ne vous mettez pas de limites, là c'est illimité, vous avez toutes les possibilités sont en face de vous, vous n'avez plus qu'à les saisir et à vous dire ça y est, je pars. Donc allez-y, en écoutant votre intuition bien sûr, votre corps, en écoutant votre corps, mais les seules limitations c'est « mon Dieu, j'ai peur du vide ». Il n'y a pas de vide, c'est juste se lancer dans des choses qui alors il y aura peut-être des choses qui ne réussiront pas aussi bien que vous le souhaitez, mais le tout c'est de... Lancez-vous dans tout ce qui vous passe par la tête, si j'ose dire. Lancez-vous et n'ayez pas peur de vous lancer. N'ayez pas peur du vide. Il n'y a pas de vide. C'est juste des opportunités. C'est de croire en vous. C'est vraiment la carte par excellence du lâcher prise et de croyez en vous. Alors, dernière carte, la carte numéro 12. C'est une carte... alors là, on voit un personnage... qui est en train de... Alors, il entre moitié dans la lune ou moitié dans le soleil, c'est selon. Hein. Moi, je dirais que c'est une... Là, c'est quelqu'un qui part complètement à l'aventure, il n'a absolument pas peur. Là, il était sur la terre ferme, et puis là, il part. Alors, on peut peut-être penser que c'est la lune, mais si vous préférez voir le soleil, eh bien, vous avez tout à fait raison. Donc, c'est une carte, je dirais que pour l'année qui vient, pour les personnes qui ont choisi cette carte numéro 12, c'est vraiment là partir aussi à l'aventure, ne pas avoir peur, le bémol, ne pas avoir peur de vous lancer pour des choses dans des on va dire dans des objectifs qui au départ vous paraissent peut-être pas nébuleux, mais qui vous disent « Oh là là, mon Dieu, est-ce que je vais réussir ?» Ne vous prenez pas la tête en pensant « Oh mon Dieu, est-ce que je vais réussir ?» Lancez-vous. Allez-y, là on voit qu'il part, pour moi c'est le soleil. Mais bon, je vous dis, si vous pensez que c'est la lune, là, ou c'est la lune, peu importe, il se lance dans quelque chose qui lui est, qui est inconnu, il part dans l'invisible, on pourrait dire, mais il n'a pas peur, il y va. Il a absolument, alors lui, je peux vous dire, là, on dirait un Égyptien, hein, donc c'est quelqu'un qui a de la bouteille, qui a de la bouteille et qui sait qu'il peut se lancer dans des aventures, dans une aventure ou des aventures, de toute façon, il est protégé. C'est pour tout ce que vous pourriez faire pour cette année, eh bien là, vous êtes vraiment, on peut dire, protégé. On peut dire aussi que c'est un moment de floraison, hein. Moi je vois, vous allez récolter des choses, vous allez vous lancer peut-être dans des aventures, alors des aventures ou professionnelles ou sentimentales, vous allez récolter des fruits aussi de ce que vous avez, ben, de ce que vous avez semé, hein, parce qu'on voit là il y a une bonne récolte, hein, il y a plein de, c'est luxuriant, vous voyez, puis là ce sont des arbres. Et là, il est absolument... Bon, il sait... là, maintenant, ce qui me vient, c'est que... je disais qu'il ne savait pas où il allait, mais il sait qu'il va, de toute façon, qu'il n'y a aucun risque. Là, je sens que
quoi que vous fassiez cette année, quoi que vous, dans quoi vous puissiez vous lancer, il n'y a absolument pas de risque. Allez-y, évidemment, toujours en écoutant votre intuition, pas vous lancer comme ça, aller à l'aventure sans avoir assuré vos arrières, sans savoir ce que vous faites. Mais là, on sait il sait ce qu'il fait, le gars, hein. Il est complètement, il a de la bouteille, hein, donc il vient des temps anciens. Donc c'est le moment aussi de régler des histoires qui sont pas nettes, vous voyez, des histoires anciennes. C'est le moment aussi de faire la paix avec le passé, hein. On voit que là, il entre, il va directement dans le... Voilà, il y va. Donc on oublie ce qui a été les rancœurs, les frustrations, tout ça. Donc c'est une année de nettoyage, je dirais. C'est une année d'aventure et de nettoyage. Pourquoi de nettoyage? De nettoyage aussi bien spirituel que psychologique. C'est vraiment un moment où, allez hop, on oublie, hein, on oublie pas mal de choses et puis on se lance dans l'aventure. Alors évidemment, toujours le bémol, là, oui, mais est-ce que je vais réussir? Est-ce que je serai à la hauteur? Mon Dieu, là, c'est le moment de partir. Lancez-vous, là, c'est toujours la même chose, vous savez. On a tellement d'opportunités dans la vie, de choses qui tous les jours, on a de grandes ou de petites opportunités. C'est pas toujours des trucs sensationnels, mais c'est aussi, je sens, une année pour s'améliorer, pour alors aussi bien au plan, je dis spirituel que professionnel, faire de nouvelles formations, de nouvelles choses et prendre la vie, prendre de l'intérêt à la vie, de voir les choses avec une vision totalement nouvelle, vous voyez, de se lancer en faisant fi du passé et oui, des rancœurs et des frustrations. Voilà. Alors le bémol, toujours, voilà, si vous avez des frustrations et de la rancœur, et puis si vous êtes attaché à votre passé, eh bien évidemment, ça vous empêche d'avancer. Donc, allez, on se libère et puis on oublie les chaînes du passé et on se lance dans l'aventure. Voilà, eh bien écoutez, cette carte numéro 12 termine cet exercice de divination. Je vous conseille fermement d'aller voir les différentes façons de jouer, de faire ce jeu, en cliquant sur le lien qui vous renverra à l'article sur mon blog, Les chemins de l'intuition. Voilà, j'espère que vous êtes bien amusés avec ce jeu et je vous dis à très très bientôt. Et évidemment, bonne intuition!